beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que j'ai gagné sur Instagram le concours Octoly du calendrier de l'Avent numéro 16, donc du jour numéro 16, qui était celui de Sephora. Donc j'ai gagné la gamme de Noël, enfin une partie de la gamme de Noël de Sephora, notamment le calendrier de l'Avent qui est je crois à 29,90 il me semble, avec les 10 euros, je crois qu'il est à 39,90 à la base et qu'on avait un code 10 euros pendant un moment pour toutes les détentrices de la carte Sephora, donc je crois que c'est il est à 39, et pas à 29, mais je ne suis plus sûre, ou alors il est à 29 et on l'avait à 19. Faudrait que je revoie et je vous redonne de toute façon en barre d'infos pardon, le lien et le prix parce que du coup je ne me rappelle plus. Ensuite, bah du coup, j'ai reçu le trio qui est à l'envers. Salut ! Voilà. Imagine, on te retourne toi, on te met à l'envers. Tu serais pas content ? Ah non, t'as pas été content. Hein. Bah voilà. Donc là, c'est un mini trio de baume à lèvres, vous savez, les tout mini là de chez Sephora. Donc en gros, c'est les EOS, mais version colorée et tout choupiné de chez Sephora. Donc là, je ne connais pas le prix du set. Donc je les testerai, je vous en referai une vidéo. Vu que je n'ai pas encore tourné ma vidéo sur mes indiscutables Sephora à avoir dans sa garde make-up, hein, parce que garde-robe, ça ne se dit pas. Donc garde make-up. Oui, voilà. Donc là, on a aussi le set mascara et crayon pour les yeux. Donc c'est le crayon mini eye pencil to go et le mascara volume, longueur et définition. Mais c'est pas le V, je crois, si. Je ne sais pas si c'est le V que j'aimerais tant tester. Donc je ne sais pas. Je crois que c'était celui-ci, non ? Non, je crois pas que c'était celui-là. Bref, il y en a un, il a fait un buzz monumental et je voulais absolument le tester, mais je ne crois pas que ce soit celui-ci. Donc voilà, ce kit-là contient ces deux incontournables, en fait, de la trousse maquillage. Et en parlant de trousse maquillage, je pourrais les glisser dans ces belles pochettes toutes dorées. Alors, j'adore parce que elles sont de la même couleur que... quasi la même couleur que la Elsa Makeup en fait, la Warm Light, la palette. Donc voilà, il y en avait trois dans le paquet, c'est des trousses en gros que vous pouvez offrir avec, c'est trop canon, je suis trop heureuse. Ensuite il y avait dans le lot, donc je vous ai fait quand même un unboxing sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, bah, vous aurez voilà cette présentation des produits sur la chaîne hein, bien entendu, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que dès que je l'ai ouvert en fait, j'étais en train de me préparer mon chocolat, dès que j'ai ouvert j'ai pu vous filmer le unboxing en fait, donc qui comprend aussi ce trio de pinceaux. Alors il y en a un pour la poudre, un pour le fond de teint et un blender, donc soit pour les yeux soit pour le concealer, avec sa petite trousse rouge pailletée. Donc trop contente aussi, je vais pouvoir tester leurs pinceaux vu que c'était une chose que je n'avais pas encore testée. Et dans le colis, il y avait aussi, et c'est le dernier produit que je vais vous présenter pour ce haul, c'est une palette de fard à joues, mais vous savez, la dégradée. C'est une des nouveautés, elle est à 5,95€ sur le site. C'était un truc que je voulais me commander, et puis en fait, que je retirais à chaque fois du panier. Parce que je me suis dit 5,95€, voilà. Je retirais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai tant hésité, et puis au final, j'ai bien fait d'hésiter, parce que je l'ai gagné, donc je suis super contente. Je vais essayer de vous l'ouvrir parce que c'est des ombres, enfin c'est une ombre parce qu'il n'y en a qu'une couleur je crois, et c'est en fait donc le packaging est magnifique, c'est un packaging doré comme ça avec un quadrillage un peu doré aussi, trop beau, et à l'intérieur ça se présente comme ça et c'est irisé, voilà, et donc c'est elle est irisée hein. Vraiment irisée, je pensais pas du tout. Et en fait, c'est un dégradé qui va du plus clair au plus foncé. Et en gros, ça fait une palette. Donc, je suis trop contente de pouvoir tester ça. Elle n'est pas énorme, ça vaut son prix, honnêtement, parce qu'elle est moins chère que certaines ombres simples qu'on trouve dans d'autres marques. Donc, il y a 2,9 grammes à l'intérieur. Donc, c'est relativement plutôt pas mal. Et ça, c'est une palette que tu vois, tu mets dans la trousse. Et c'est nickel quoi. Donc et puis, j'aurais oublié de le mentionner si je ne l'avais pas vu. Un magnifique candy cane. Que je suis trop contente parce que j'adore ça. Donc ça doit être à la fraise. Je suis trop heureuse. Trop heureuse.
Donc merci Sephora, merci Octoly pour ce joli cadeau. Je vais m'empresser d'aller manger mon... Elle est cassée, mais bon, en même temps, je l'ai trimballée aussi. Hein. Donc je suis vraiment trop heureuse. Il y avait aussi un cracker dedans qu'on tire sur les deux côtés pour avoir le message qui est à l'intérieur. Et c'était un petit message, en gros, pour dire que le soleil faisait grandir et que la nuit, en gros, tu rétrécissais. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc voilà. Et donc, bah, j'en ai terminé. Je suis trop heureuse. Merci Papa Noël parce que j'en ai eu deux aujourd'hui, cette année. J'ai eu Nathalie, ma maman Noël d'amour. Et j'ai eu bah, du coup ce colis. Voilà. Donc, je pense que je vous filmerai un unboxing du calendrier de l'Avent sur Instagram. Je ne le ferai pas forcément sur YouTube parce que franchement, vous allez être saoulés. Parce que vous allez dire que c'est des partenariats et tout, mais non, pas vraiment, c'est juste offert, voilà, c'est juste j'ai gagné un concours, donc je suis trop contente. Après, je voulais vous faire un petit update de la palette que j'ai trouvée chez Action, voilà, et vraiment, c'est une palette topissime, elle est vraiment topissime, elle coûte 1,82€, je crois, ou 89€. Et franchement, je ne la regrette pas. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, mais je vous la recommande à 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Voilà. Tout simplement, elle est vraiment géniale. Celui-là, je l'ai dégommé déjà. Parce que vraiment, il a une teinte parfaite. Il n'y a pas de sous-ton orangé, de trop orangé. Franchement, j'adore. Et c'est avec cette palette-là que je me suis maquillée sur mes vidéos Instagram où je suis avec ma maman et où on va manger au restaurant chinois. Donc. Juste pour que vous sachiez que je fais des choses comme ça aussi sur Instagram. Donc, en gros, le mot caché du jour, si vous arrivez à ce point précis de la vidéo, si toi tu t'es tapé 6 minutes pour m'entendre dire des bêtises, ça va être palette. Donc, si tu sais pas quoi me dire, mais que tu as envie de me soutenir, mets-moi palette en commentaire, je saurai pourquoi. Je te mettrai un gros bisou et un like sur ton petit commentaire. Donc juste pour vous dire aussi, n'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que YouTube vous désabonne, on ne sait pas pourquoi, mais ça je vous le dis à chaque fois et je vous le redirai à chaque fois. Si ça vous saoule de l'entendre, excusez-moi, mais bon, on est plusieurs dans ce cas-là. Et vous abonner à la cloche pour que vous puissiez avoir toutes les vidéos qui sortent, voilà, en push-up. Pop-up, ou je sais pas comment on dit, en gros, t'as un spam qui arrive sur ta boîte mail ou sur ta tablette iPad pour te dire que je viens de sortir une vidéo. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous aurez kiffé, comme moi je kiffe. Je ne vous parle pas de ma sphère personnelle, on la laisse à la porte de la chaîne. On a décidé avec Sébastien de vous faire une vidéo spéciale quand tout sera calmé et pour vous expliquer comment on s'en sort, comment on s'en est sorti, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc voilà, je sais que vous avez été nombreuses, j'ai littéralement pété un câble pendant ce moment-là où j'ai craqué complètement. Et donc j'essaye de garder le sourire, on n'y pense plus, on vous fera une vidéo là-dessus. Et pour l'instant on parle que du positif, du futile, de ce qui nous fait du bien. Et la vie n'est pas que fard, rouge à lèvres et make-up, mais ça aide beaucoup à tenir le coup. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc n'oubliez pas le code palette, hein, petite palette à mettre en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas que la vie est mal en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.